Ça tourne dans le studio d'enregistrement de Bruce, le preneur de son. Ok, alors... c'est toi, Piero Bonzizi? Ça se prononce Bonchisi. C'est italien, je suis célèbre là-bas. J'ai vécu en France pour percer ici aussi. Ouais, c'est ça. Et t'as ce qu'il faut pour percer, Bonzizi. Allez, pronto. T'as juste à m'enregistrer un cri, comme si tu te faisais manger par un croco. C'est pas ça qui va te rendre célèbre dans un vrai pays, mais bon... Bonchisi. Et on parle d'un crocodile ou d'un alligator? Attends, parce que tu crois vraiment qu'on va entendre la différence? C'est pas moi qui est là depuis 2 heures parce que je vais bosser avec des pros, hein, mais bon. Tu sais, même si tu chuchotes devant le micro, je t'entends, hein. Bon, allez, silence dans le studio. Cri de Pierrot, prise 1. Ouch! Non mais attends, tu t'es pas pris le coin d'un meuble avec le petit orteil, hein? Tu te fais bouffer par un alligator. Mais je croyais que c'était un crocodile. Prise 2. Ouh, 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 ouh. Prise 3. Wouhou. Youhou. Mais c'est de pire en pire. Comment c'est possible? Ah. Bon, ben, on va faire avec, hein. Coupé, c'est dans la boîte. Je vous l'ai déjà dit. Ne m'appelez plus Junior. C'est imprudent d'abaisser ta garde. Hasta la vista, baby. Ah ben ça, je peux vous dire à l'époque que si j'avais su que tous les grands studios allaient utiliser ce bruitage dans tous leurs films, j'aurais insisté pour que mon pote Wilhelm vienne au studio ce jour-là. Mais bon, il avait une laryngite.